Voilà, alors ayant ce que je pense être un ongle incarné au puce, je suis venu voir un podologue. Voilà, et là, c'est le pied gauche. C'est beau, hein, vous me le ferez voir là pour la photo. Oui, on sent tout de suite que ça soulage. Pourquoi pousse-t-il comme ça les ongles dans les... Bon, ça, il y a des chances que c'est parce que vous avez coupé un petit peu trop en biais. Oui. Et puis la pression sur l'orteil dans la chaussure. Aussi. Oui. On ne procédera pas à l'amputation. Pas tout de suite, pas aujourd'hui. Dans quel cas on est obligé de procéder à l'enlèvement de l'ongle? Alors, paraît-il sous anesthésie générale, c'est vrai ça? Oui, mais en principe maintenant on n'enlève plus. Après on opère, on enlève ici un morceau de la matrice pour éviter que l'ongle y rentre après. Sous anesthésie locale quand même, non? Oui, ça dépend du chirurgien. Oui. Et d'anesthésiste. Ah. Et de la personne, parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre ou sentir. Ah oui. Alors on va le dégager un petit peu plus large hein, pour être sûr qu'il soit bien droit.
ça doit aller mieux quand même. Oh oui, ça, on sent un soulagement réel. C'est l'avantage sur ce genre de choses, c'est que dès qu'on a enlevé, on sent tout de suite mieux. Parce que certaines choses, on soigne, mais il faut attendre un petit peu pour ressentir les bienfaits, mais là, en principe, souvent, les gens sentent tout de suite la différence. La partie qui est blessée sérieusement, vous l'avez retirée, donc... Ah oui, ça y est. Voilà. Pas mal. Après, il faudra surveiller voir comment il va repousser. Mais voilà, on lui mettra un beau petit pansement. Ça va rentrer dans l'ordre. Thank you.